Je m'appelle Kate. J'ai 22 ans et j'ai toujours connu la guerre. L'humanité a commencé à muter il y a environ un siècle, juste après la Grande Guerre nucléaire. Certains, comme moi, ont développé des pouvoirs. D'autres en sont simplement morts. Les plus dangereux des mutants sont les seigneurs du temps. C'est à un des leurs qu'on doit se mouiller. Il a changé l'avenir. Il a remonté le temps jusqu'à la guerre froide et grâce à lui, la Russie a gagné. Depuis, tous les mutants sont pourchassés, même les simples élémentaires comme moi. Depuis mes 7 ans, abandonnée pour ce que je suis, mon seul but est de survivre. Car vivre est un combat de chaque instant. Tiens, tiens, une saloperie d'élémentaire. Allons, n'aie pas peur, je vais pas te faire de mal. Je cherche simplement quelqu'un avec qui jouer. Oh, 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 t'es joueuse, j'adore ça. Que le spectacle commence. Et les gars, ce n'est pas notre jour de chance. Cette gringalée a sûrement quelques valeurs pour nous. N'approchez pas, ou vous allez le regretter. Par le cornu, c'est une donzelle. Ouais. Je vous ai dit de ne pas approcher. Mais c'est quand même juste un sort, peut-être. Regarde comment elle a fublé. C'est peut-être l'œuf du démon. On va la guérir de ses péchés, alors. Hein, mon gars? Allez. Chienne, tu es là. C'est ainsi que vous remerciez votre sauveur? Sauveur? Je n'avais pas besoin de vous. Ah, très bien. Je vais vous laisser savourer votre victoire, alors. Attendez. Où sommes-nous? Ah, voyez-vous cela. Elle a besoin de notre aide, finalement. Oh, Ran. Tu as vu sa tenue? Nous devons partir, maintenant. Mais du calme. C'est plus pratique pour chevaucher, voilà tout. Mais cela n'est pas convenable. Vous êtes sur les terres du seigneur Roderick Pardy. Êtes-vous perdu au point de ne pas voir que vous traversez les frontières? D'où venez-vous? De très loin, je crois. Cela se voit, votre accoutrement. Des royaumes de l'Est, sûrement. Bon, eh bien, nous partons au château pour porter de nouvelles. Si vous ne savez pas quel sentier emprunter, vous pouvez toujours nous suivre. Le seigneur vous accueillera sûrement. T'es sûr de ce que tu fais, Rohan? Avec quel mal une si charmante créature pourrait-elle nous faire, voyons. Je suis Rohan, pour vous servir. Voici Oirim et Melior. Ravi de faire un peu de route avec vous. Allez, on va chercher. Voyez les seigneurs, ils viennent pour votre vendeur.
Mon frère, comme c'est bon de te revoir. 12 jours sans nouvelles, je commence à être inquiet. Toujours inquiet pour moi, mon frère. Quelle nouvelle des frontières? Tu trouveras de quoi la vêtir là-haut. Quelque chose de plus adéquat que ces guenilles. Suivez-moi, nous allons trouver quelque chose de plus approprié. Dieu ne se battra pas d'un côté. Son château a été attaqué et tout était en feu lorsque nous sommes arrivés. Et le duc? Ainsi donc, il y avait une femme sous toute cette crasse. Allons, cela vous sied à ravir. Suivez-moi, nous allons rejoindre les autres. Nous allons commencer par fortifier la muraille est, ensuite nous devons la garder, avec une dizaine d'archers supplémentaires sur les remparts. Salutations, madame. Je suis Méléon, le demi-frère de Rohan, pour vous servir. Salut. Elle vient de loin. Elle était perdue dans la forêt. Les coutumes de nos voisins de l'Est ont l'air très différentes des nôtres. Poussez-vous ! Un message urgent pour le seigneur Obreg ! Il est mort. Il y aura des funérailles d'Indaïon. Le camp d'avant-garde sud-est a capturé un espion de l'armée de Falcor. Je pars demain dès l'aube pour l'interroger. Ta place est ici, auprès de ton peuple! Tu ne peux pas profiter d'un moment d'occasion pour fuir ton devoir! Mais je ne fuis pas! Je suis le seul qui puisse le faire, je dois y aller! Envoie l'un de tes hommes. Tu mettras les défenses en place pendant mon absence. Et vous, vous venez avec nous? Moi? Oui, vous. Je ne sais pas d'où vous venez, et je ne veux pas prendre le risque de vous laisser au château. Rohan, raison de plus pour qu'elle reste ici. Nous avons très raison de plus pour que je la garde à l'œil. Par ailleurs, elle vient de très loin. Elle aura sans doute des informations utiles à nous transmettre. Alors, princesse, la vie de château vous sied-elle? Vous venez de loin, n'est-ce pas? Oui, assez loin, je pense. Alors, vous êtes le frère du seigneur Ordreg? Le frère bâtard de Rohan, son demi-frère du côté de son père. Je ne suis pas de son noble. Je suis son aîné. Mais je resterai jamais le bâtard de ses terres. Et alors que Rohan cherche à fuir ses responsabilités, il me demande de l'aider et de le remplacer dans les tâches qui devraient être siennes. Moi, régissant dans l'ombre, entouré de gens à la cour qui me haïssent pour ma naissance. Je vous comprends. Notre naissance ne devrait jamais déterminer notre destin. Mais il est mon frère et mon seigneur. Et je l'aime. Alors je continuerai à faire ce qu'il me demande. Jusqu'à ce qu'il mûrisse et accepte enfin la place qui lui revient. Bonjour. Pourquoi le seigneur est-il si jeune? Surtout s'il n'en a pas envie.
Son père est mort lorsqu'il avait 16 ans. Il était l'unique héritier. Mais Méléon est son frère, non? Méléon est un bâtard. Il ne sera jamais seigneur. S'il a sa place à la cour, c'est uniquement grâce au seigneur Oren. Il a un cœur trop tendre pour les siens. Comment saviez-vous? Il semblerait que les gens qui vous entourent ne soient pas aussi sûrs que vous le prétendez, mon jeune roi. C'est elle qui nous a trahis. Elle était là hier lorsque nous parlions du chemin à emprunter. C'est tentant, mais mes sources sont, comment dire, beaucoup plus fiables. Calmez-vous, on a déjà essayé. Excusez-moi de vous avoir accusé. Vous n'étiez pour rien, puisque vous êtes là avec nous. Par notre faute. Je vous ai mené droit dans une embuscade. Sans nous, vous seriez peut-être loin d'ici. Peut-être même chez vous. Ça, j'en doute. Je vous jure que nous allons sortir d'ici. Je vous le promets, nous vous ramènerons chez vous. Méléon sera sans nouvelles de nous. Il se lancera à notre recherche. Et si nous sommes dans les geôles du seigneur Falcor, il saura où nous trouver. Mon cher Roran, vous devriez mieux choisir votre entourage. Quel dommage. Si jeune est déjà responsable du déclin d'un peuple entier. Mais... vous devez vous demander pourquoi vous êtes encore en vie. Je vais prendre les rênes de vos terres qui ont désormais perdu leur suzerain légitime. Je vous laisserai pas faire. C'est évident. Il faudra probablement détruire la moitié de vos villages pour faire plier l'autre moitié. Mais sans seigneur, auront-ils le choix? Voilà pourquoi vous êtes encore en vie. Vous pourrez réfléchir aux souffrances de votre peuple ainsi qu'à vos responsabilités dans tout ce qui va suivre. Seigneur Ordreg, te voici maintenant seigneur de cette geôle. Au fait, n'espère pas que l'on vienne te chercher ici. Ce cachot se trouve bien loin de toute route connue. Amusez-vous bien. Son motif, Falcor ! Je vous ai demandé de m'accompagner dans toutes mes fuites. Non, il a raison. Je fuyais mes responsabilités. Mais Léon m'avait prévenu. Mon peuple va vous mourir par ma faute. Et vous allez mourir. J'ai été égoïste. Je n'ai pas été un bon seigneur. J'étais indigne de mon père. Roran, tu es notre seigneur et notre ami. Si nous te suivons, c'est par choix. Nous mourrons pour toi. Si jamais j'avais une solution pour nous faire sortir d'ici. Je t'en prie, parle. Rien n'est sûr, mais si jamais je le pouvais, vous devriez me promettre de ne pas me tuer. Quoi? Pourquoi te voudrais-t-on du mal? Qu'as-tu en tête? Tu as ma parole, au nom du royaume, que si tu nous fais sortir d'ici, tu seras sous notre protection à tous, et personne ne lèvera la main sur toi. Sorcellerie! Silence, Méléor! On nous sauve la vie!
T'as vu de quoi elle est capable? Comptes-tu vraiment la laisser s'en sortir comme ça? Elle nous a sauvé la vie. Nous lui devons protection en échange. Mais c'est que... La discussion est close. Léon, mon frère! Tu savais que tu serais venu à notre recherche. Mon propre frère! Rohan, ce n'est pas ce que tu crois! Ben voyons-nous ça. C'est une réunion de famille? Pardonne-moi, mon frère. Mais de nous deux, j'étais le seul capable de gouverner. Sans moi, les conflits auraient tué raison de notre peuple il y a bien longtemps. Et j'aurais dû faire tout cela dans ton ombre. Emmenez-le! Besoin d'un coup de main ?